J'ai archi le seum, j'ai tout niqué, putain. Comme ça, c'était bon en vrai. Ah, j'ai tout niqué. Oh là là, j'ai le seum. Oh là là, j'ai le seum. Oh là là, j'ai le seum. J'ai archi le seum, purée. En plus, il n'y a même pas de lumière là. Attendez, j'arrive. Je suis actuellement en train de faire un truc idiot. Famille, déjà, j'ai niqué mon make-up, j'ai le seum. Vrai. Je vais faire un petit trait d'eyeliner. Il a l'air bien. J'essaie de le remplir un peu, genre à l'intérieur. Vivre dans la terreur à cause d'un trait d'eyeliner, c'est trop. Regardez, putain, j'en ai marre, ils sont jamais symétriques là. Faites un effort, vous deux. Oh là là. M'énerve. C'est hyper délicat genre devant là. Mascara on t'a dit, mascara. Maintenant, je vais passer à mon teint. Je sais pas si vous voyez sur mon visage à quel point j'ai le seum par rapport à là. Parce que du coup, après, mon maquillage, il est pas joli. Il est pas équilibré. Quand tu le regardes, tu fais, mais il y a un petit problème là. Désolée, parfois je pète des câbles, ça m'énerve. Dis-le, j'ai le seum. Ok, c'est presque bon. Mes sourcils, après, je vais les refaire, histoire que ça camoufle bien tout ce qui est blanc et tout. Pour le moment, je vais mettre de la powder. Ma vidéo, elle est hyper bizarre parce qu'au début, je parle pas. Parce qu'en fait, j'étais censée faire une vidéo où je parle après en mode voix off. Sauf que... Bah, c'est parti en cacahuète. Après, j'ai parlé, donc... Là, les produits que j'utilise, à part ma palette, c'est des produits du marché, donc je peux rien vous dire. Même ma palette, genre le...
le bleu et tout, il vient d'une palette qui s'appelle Palette Pro. Je sais même plus comment. Attendez. Palette Pro de Pink Paris. Pink Paris, si vous connaissez, Pink Paris, c'est marché. Donc, bon. Après, avec les produits du marché, on peut faire de très belles choses aussi. Hein. Et encore là, c'est un vieux make-up que j'ai fait parce que j'ai raté. Mais parce que de base, ça devait être beaucoup mieux. Et toute cette semaine, j'ai fait des beaux maquillages, mais j'ai pas filmé. Et c'était aussi avec des produits du marché. Marché gang, marché gang, marché gang. Est-ce que tu fais partie de la team marché, toi? Produits du marché et tout. Après, les produits de marque aussi, c'est bien. Hein, quand t'as les moyens, quand tu peux te les payer, c'est bien. Moi, si j'avais les moyens, j'hésiterais pas à me payer des produits de grandes marques et tout. Mais après, quand tu les as pas... En fait, faut jamais... Ce que t'as, c'est bien. En vrai de vrai, ce que t'as, c'est bien. Faut jamais se plaindre de ce qu'on a. Parce que y en a, ils ont moins. Et ils font des bêtes de trucs avec, tu vois. Donc, faut jamais se plaindre. Hop, hop. Là, encore un tout petit peu blanc. Eh, je vous jure, j'aime pas quand c'est blanc. Et oh là là. De toute façon, on va régler ce problème tout de suite. Je prends mon crayon. Revoilà donc. Donc oui, c'est un crayon marron de chez Pink Paris. Dans la teinte blond, brun naturel. Moi, d'habitude, je prends café, mais il n'y avait plus. Brun naturel, c'est beaucoup trop clair. J'aime pas. Il faut faire avec le moyen du bord, on t'a dit. Hop. Ok, ça va. Hein. On va dire que... On va rien dire du tout, en fait. Je sais pas pourquoi je dis on va dire. On va rien dire du tout. On va laisser ça comme ça. Ok. Bah ça va au final, c'est pas... Ça va. Ça va. Maintenant je vais passer un coup de crayon noir dans mes yeux. In my eyes. Oh yeah. Oh yeah. Non, non. Franchement j'aime pas tirer avec mon doigt. Ah, c'est bon. Ok. Oui, c'est bon. Une autre étape va être le ça là. Je kiffe me faire des points. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Après là, il y a mon point naturel. Bon, là, il a disparu. Faut que je le recherche un peu. Et voilà. Ça, c'est mon point naturel. C'est le seul qui est pas vraiment faux parce qu'il existe vraiment. Alors. Et encore. Parce que là, c'est bien, mais je sais pas. J'ai encore envie un peu. Ah, celui-là, j'aurais peut-être dû le monter un peu. Je sais pas. Ah, là, peut-être. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Oulala, gloss. Alors mon gloss, lui, ne vient pas du marché. C'est un petit gloss de la marque Essence. Il est juste trop bon. En plus, je vous jure qu'il est sucré. C'est un truc de ouf. C'est un gloss sucré. Me demandez pas comment je le sais, ok? Je sais très bien que vous aussi, vous savez que vos gloss sont certains. Ok. Il est hyper confortable, genre quand tu l'appliques sur les lèvres et tout. Ah là là. Parfois, je vous jure, il est tellement confortable que je reste comme ça. J'applique des couches, des couches, des couches. Le seul problème, c'est que, bien évidemment, je suis bête, hein, j'ai pas nettoyé mes lèvres avant et j'ai du fond de teint sur les lèvres, donc ça fait ça. Voilà, ça m'énerve.
Et voilà, on dirait bien que mon make-up est enfin prêt. Je vais mettre la tenue, je me coiffe et on arrive tout de suite là. Bon, le thème c'est bal. On vous a dit bal. Bal. Ben, moi j'ai une robe de bal. Une magnifique robe de bal. Petit chignon qui fait bal. Et pour les bijoux, ça va être cela. C'est des bijoux que j'ai acheté sur AliExpress. C'est une parure en fait, boucle d'oreille plus collier. Enfin, c'est même pas AliExpress, ça c'est Wish. On reste dans le bleu, hein, c'est le bleu. Ça semblait énervé là. Bon, on va voir. Ouah, Seigneur! Je suis. Oh là là, j'ai mis qu'une boucle d'oreille. Hein. Sérieux? Ouh! J'aime de ouf. J'aime de ouf. J'aime de ouf. J'aime de ouf. Mais sinon, c'est trop beau. Regardez, hop. Je vais te mettre la sécurité encore. C'est bon. Cool. Ouah! On va mettre le collier maintenant pour voir. Ok. Ça devrait le faire. Ça devrait. Ok. Ça le fait. Oh, wesh, regardez. Regardez-moi, wesh. Oh, je suis choquée, wesh. Oh là là. Avec ma magnifique manucure de Primark, vous savez. Je suis choquée. Wow, wow, wow. Il faut que je me mette debout et je vous montre. Et voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je suis grave pressée de savoir ce que vous pensez du résultat final de ma tenue. Plus ma coiffure, plus mon collier, tout ça. Et si je rentre dans le thème bal de fin d'année, bal de promo et tout. Imaginez, on serait au skate là. Ils me laisseraient rentrer ou pas dans leur petit bal là de promo là? Ils me laisseraient rentrer? Bon, bien sûr, je vais cracher mon chewing-gum, mais toi, t'es un videur dans un bal de promo de Disney. Est-ce que tu me laisses rentrer ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous me laissez rentrer ou pas. Et moi, je vous fais des très très gros bisous. On se revoit très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.